sera bien là. Alors qu'on pouvait craindre un forfait pour le restant de la Coupe du Monde, Antoine Dupont va bien faire son retour à la compétition, 3 semaines après sa fracture au niveau de la mâchoire. Le capitaine du 15 de France sera bien titulaire pour défier l'Afrique du Sud dimanche soir en quart de finale. C'est évidemment une grande nouvelle pour les Bleus. Ça change pas mal de choses, reconnaît Mathieu Jalibert. On a confiance en tous nos neufs, mais Antoine nous donne beaucoup de confiance. Il est capable de faire de grandes différences, il amène une crainte chez les adversaires. Il est à 100% même s'il porte un casque. Et du côté des Bleus, on n'a aucun doute sur le fait que Dupont sera en pleine possession de ses moyens, malgré sa récente blessure. Il est à 100% même s'il porte un casque, ajoute Jalibert, qui sera son associé en charnière contre les Springboks. À de nombreux égards, le retour de Dupont est un élément déterminant pour les Bleus. Il a une influence sur le groupe, aussi au niveau extérieur sur les arbitres et les adversaires, résume son prédécesseur dans le rôle de capitaine des Bleus, Charles Olivon. Il a un très long jeu au pied, il peut trouver des brèches quand il veut. Il a été élu meilleur joueur au monde. Ce n'est pas pour rien. On s'attendait à un retour d'Antoine pour ce match. Tout le monde est content. C'est peu dire.